Je suis actuellement au CHU. Un homme d'une trentaine d'années a été admis hier soir. Il aurait été blessé par balle sur le rond-point de Miquel aux alentours de 21h. Une situation qui préoccupe les habitants puisque en moins de 24 heures, c'est le deuxième blessé par arme à feu sur la ville. En effet, dimanche soir, un homme avait été grièvement blessé près du campus de Fouillol. Il est toujours hospitalisé. D'après la police, son état est en nette amélioration. Il a bien réagi à l'opération chirurgicale qu'il a subie. Pour autant, en ce qui concerne l'enquête, aucune piste n'est encore écartée. Que ce soit un règlement de compte ou un vol qui a mal tourné, les enquêteurs ne ferment aucune piste.